Bonjour à vous, cher public d'Ivoire TV. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans l'interview de Ivoire TV. Pour cette semaine, nous recevons encore une fois le mystique, le tradit praticien, le sorcier positif, Koné Nyenyere, qui est avec nous. On vous l'a dit depuis donc la semaine passée, on avait déjà commencé avec lui pour son parcours, comment il a débuté au niveau donc de son travail, de son activité. Il nous a dit qu'il avait fait 13 mois dans le ventre de maman, après quoi, à 9 ans, il a été donc dans la forêt avec des mystiques pour que justement il puisse avoir, on va dire, le don pour pouvoir soigner, guérir, régler et décanter les situations. Aujourd'hui, avec lui, nous allons continuer sur cette même lancée pour partager avec vous ces moments. Je vous l'ai dit, Koné Nyenyere est avec nous. On va lui dire bonjour. Bonjour, Koné. Oui, bonjour. Alors, la semaine passée, on avait fait un peu le tour de la question de ton activité. Aujourd'hui, on va continuer avec ton parcours. C'est vrai que tu nous as dit que tu as débuté à Korogo, que tu as soigné une femme qui est guérie donc du VIH. Au niveau donc de ton installation à Abidjan, déjà, quel est le parcours de Koné depuis donc à Abidjan quand il s'est installé il y a 15 ans? Oui, il faut dire merci d'abord encore de m'avoir invité sur ce plateau. Je remercie d'abord le groupe d'Ivoire TV, voilà, et d'avoir placé une confiance au président des Mystiques, voilà, Koné Yéyéry, et d'accepter de m'étendre votre micro encore une fois de plus. Il faut dire, mon parcours à Abidjan, c'est un bon parcours. Voilà, Koné a aidé pas mal de personnes. Koné a aidé des personnes à sortir du trou, Koné a aidé des personnes à obtenir des diplômes, Koné a aidé des personnes à avoir des postes très importants dans son pays et comme un peu partout, voilà, dans le monde. Koné a aidé des personnes même à distance. Alors donc, je pense que le parcours de Koné, c'est un parcours bien et il n'y a pas grand-chose à dire sur son parcours. Alors, c'est un bon parcours. Voilà. D'accord, alors on a cherché à voir qui est Koné Nyenyere justement parce que pendant la crise, l'un des mystiques qui avait déclaré en son temps que il y aurait une crise en Côte d'Ivoire. Et les gens n'ont pas cru, et justement, la crise s'est passée et tout. Alors, explique-nous un peu comment est-ce que tu avais reçu cette vision-là. Explique-nous un peu l'environnement autour de cette question. Oui, vous savez, quand on est médium, c'est d'abord le sage. En son temps, je vous parle d'abord des années passées, c'est-à-dire l'époque de nos ancêtres. Et quand il y a des choses qui devraient se passer en ce moment, dans nos villages, voilà, et les sages prédisaient, c'est-à-dire disaient ce qui allait arriver. En ce moment, on nous appelait les sages. Les sages, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui doit, un médium, c'est celui qui doit avoir des bonnes paroles, c'est-à-dire qui doit conseiller, vous comprenez, qui doit être auprès des rois, qui doit être le conseiller des rois. Et c'est pourquoi en ce moment, à l'époque, on nous appelait les sages. Donc on appelait nos parents et médiums sages. Vous voyez? Parce que quand il y a un problème qui devrait se passer, peut-être dans le village, un malheur devrait s'abattre, le sage se levait et il partait voir les guides, c'est-à-dire les rois, voilà, et leur dit, ou les chefs du village, pour lui dire, voilà ce que moi j'ai vu, et voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire pour éviter cela. Voilà. Et aujourd'hui, avec l'évolution des choses, on a trouvé quand même à donner autre nom à ces gens, aux sages, en les appelant médiums, sorciers, guérisseurs, vous voyez un peu. Voilà. Donc, nous sommes les sages de nos chefs d'État. Vous comprenez? Donc, nous sommes les conseillers de nos chefs d'État. Donc, nous sommes la voix de notre peuple. C'est ce que je veux faire comprendre d'abord. Voilà. Donc, un médium, c'est celui qui guide d'abord, qui voit des choses et qui guide, qui dit, voilà ce qui doit arriver. Le médium n'a pas de parti politique. Ça, je l'ai dit à chaque fois. Un médium ne doit pas avoir de parti politique. Un médium laisse la politique aux politiciens. Un médium ne fait que révéler, prédire. Voilà.
et qu'ensemble on trouve, et les chefs cherchent à le croiser et trouver une solution. Mais vous savez, comme l'Africain, il faut dire même l'homme est un peu têtu. Dans les années passées, j'ai eu à prédire dans les journaux. Certains ont mal interprété, qui n'ont pas compris, mais aujourd'hui, plein me donnent raison parce qu'ils savent qu'est-ce que c'est, qui est un médium. J'avais dit qu'il allait avoir une guerre en Côte d'Ivoire si on ne faisait pas en tassant. On m'a demandé, voilà, en ce moment, les hommes politiques sont rentrés en contact avec moi pour me demander qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça. J'ai dit, voilà ce qu'il fallait faire. On ne m'a plus adressé la parole. Je me suis tué. Et après, les journalistes ils sont venus me voir encore pour dire, est-ce que ce que tu avais dit, c'est vrai? Ça va se réaliser? Je dis que Dieu nous aide. Et je prédis encore que voilà ce qui allait se passer. On ne m'a pas écouté. Bon, Mais déjà, nous, la question, on veut savoir, comment est-ce que tu avais eu déjà cette vision? Comment est-ce que comment est-ce que ça s'est passé? C'est vrai que tu es un mystique et tout, mais bon, pour une telle décision encore, ou pour une telle, idée, c'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde de prédire une guerre dans un pays. Alors, oui. Comment toi, à ton niveau, tu as eu cette révélation? Oui, mais je vous dis que je suis un médium, je suis un sorcier. Ouais. Vous voyez, un sorcier positif. Je suis un sorcier, j'ai des connaissances, j'ai des dons. Un médium, c'est celui qui reçoit. Un mystique, c'est celui qui reçoit un don. Vous voyez, un don de la part de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde de croiser des génies. Moi, j'ai eu cette chance-là de croiser des génies. Vous voyez, moi, j'ai 7 génies à ma disposition qui me protègent jour et nuit. Et quand il y a des choses qui doivent se passer, je vais vous dire quelque chose. Les génies sont en contact direct avec Dieu. Les génies détiennent le secret de la vie. Vous comprenez? Donc, les génies, c'est le vrai sage du monde. Les génies, après les anges, viennent les génies. Vous comprenez? Et les génies, quand celui qui a eu la chance de croiser les génies, ça veut dire que tu as été choisi par Dieu. Donc, quand il y a quelque chose qui doit se passer, c'est les génies qui viennent te voir pour te dire, voilà. Comme il ne peut pas communiquer avec tout le monde, il ne peut pas communiquer avec les journalistes. Donc, les génies passent à travers quelqu'un et transmettent le message. Vous comprenez? Alors, c'est comme ça que moi, j'ai eu cette vision. Quand on parle de vision, c'est-à-dire on communique avec des esprits. Ces esprits-là, ce sont les génies. Vous comprenez? Voilà, donc c'est comme ça que moi j'ai eu cette vision. Les génies sont venus me voir pour me dire, voilà comme tu as été choisi et voilà ce qui doit se passer dans ton pays. Vous comprenez? Alors moi aussi, ce que je peux faire, c'est de rentrer en contact avec les journalistes et puis dire ce que moi j'ai eu comme vision. Voilà. Et maintenant, c'est aux autorités de rentrer en contact avec moi pour qu'on trouve une solution. Mais comme je le disais tout à l'heure, ce qui devait arriver est arrivé. Voilà. D'accord, on nous a rapporté aussi que pendant la crise, tu avais été pris en otage par des groupes armés. Alors, comment est-ce que tu as réussi à t'échapper? Oui, mais écoutez, c'est de quelque chose dont je ne voulais même pas parler. Parce que, vous voyez, mais Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes en paix. Nous avions retrouvé la paix. Et par la grâce de Dieu, cette paix-là aussi va durer. Et c'est vrai, j'avais été enlevé par un groupe et en son temps. Voilà, qui ont pensé que j'étais tel, j'étais ici, j'étais là, mais qui ont mal compris. Et après, ils ont compris que vraiment ce monsieur-là, c'est un sage. Et voilà comment j'ai été libéré. Voilà, avec la puissance et l'aide de Dieu et de mes protecteurs génies. D'accord. Voilà. Je rappelle que. Voilà un peu, je ne suis pas politicien. Ouais. Voilà, quand je prédis, il ne faudrait pas que les gens interprètent autrement. D'accord. C'est mon droit. C'est pourquoi je suis le président des mystiques. Donc, c'est mon rôle. Vous comprenez? C'est mon rôle de dire la vérité. Avant, nos sages disaient, et dans les chansons, quand ils dansaient, quand il y avait des cérémonies, c'est les médiums qu'on invitait. Vous voyez? C'est les médiums qu'on invitait qui venaient et qu'ils chantent. Et quand ils chantaient dans ces paroles-là, c'était des proverbes. Vous comprenez? C'était des proverbes. Ils lançaient des paroles de proverbes. Ceux qui avaient des oreilles pour entendre, c'est ceux-là qui entendaient. Vous comprenez? D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que les génies disent aujourd'hui pour la suite en Côte d'Ivoire? Oui, mais pourquoi vous voulez que moi je parle, je continue de toujours. Non, mais en même temps, nous, on aura l'esprit de la chose, de savoir ce qui va advenir pour la Côte d'Ivoire sur le plan mystique. Oui, joli avenir. Voilà, la Côte d'Ivoire, en tout cas, sera un pays émergent. Vous comprenez? Plus de guerre. Il ne faut même plus que quelqu'un s'inquiète. C'est fini. Cette histoire, on a tourné la page. Voilà, donc je rassure tout le monde.
sur cette histoire de guerre-là. Tous ceux qui veulent venir investir en Côte d'Ivoire, qu'ils viennent, il n'y a pas de problème. Il n'y aura plus rien. Moi, le médium Kone Nyeri, président d'Investir, je rassure tout le monde pour dire qu'il n'y aura plus rien en Côte d'Ivoire. La guerre, c'est fini. Donc, tous ceux qui veulent venir travailler en Côte d'Ivoire, qu'ils viennent, il n'y aura même plus de problème. Ça, je rassure tout le monde. Voilà. D'accord. Alors, on quitte dans le domaine, on va dire, de la politique, de tout ce qui s'est passé, la crise qu'on a connue en Côte d'Ivoire, et on revient à Kone Nyeri. Voilà, je l'ai dit et je rappelle à tous ceux qui nous regardent désormais depuis la diaspora un peu partout que Kone Nyeri, on avait entendu parler de l'homme et on l'a recherché parce que justement, on nous avait dit que c'est quelqu'un qui décantait beaucoup de situations, c'est quelqu'un qui réglait beaucoup de problèmes. Alors avec lui, nous allons essayer de parler de ces différents problèmes. Alors Kone, est-ce que, d'abord comment tu travailles? Est-ce que tu te déplaces pour travailler? Est-ce que c'est les personnes qui viennent vers toi? Explique-nous un peu le cadre de ton travail. Oui, merci. Je me déplace beaucoup pour travailler, c'est tout. Et quand les gens ont besoin de moi, c'est mon travail, comme je le disais la semaine dernière. Voilà, je suis choisi pour ceci, mais pour ça. Donc, je me déplace beaucoup pour travailler. Et il y a trois jours de cela, et après mon passage ici, je peux le dire, il y a trois jours de cela, j'étais déjà au Burkina Faso, je suis arrivé avant-hier, voilà, pour décanter une situation en trois jours. Voilà. Donc, je me déplace. Est-ce que l'homme arrive quand même à décanter des situations dans une période assez raisonnable? C'est-à-dire, est-ce que très rapidement, on peut avoir une solution à nos problèmes lorsqu'on vient chez Kone? Oui, ça dépend, vous voyez, ça dépend de ce que vous avez comme problème. Je ne suis pas Dieu, ça je dis à tout le monde aussi. Je ne suis pas Dieu, je suis un être humain que Dieu a choisi et lui confié certains secrets, voilà, pour pouvoir quand même aider les gens sur terre, sinon je ne suis pas Dieu. Mais ça dépend aussi des problèmes, c'est pourquoi je vous dis que ça dépend des problèmes. Par exemple, pour faire revenir la femme de quelqu'un, je vous prends un exemple terre à terre. Voilà, pour faire revenir la femme de quelqu'un, moi je vous donne 7 jours, une semaine pour décanter cette situation-là. Madame, quand tu veux faire revenir ton mari aussi, c'est la même chose. Je te donne 7 jours pour décanter cette situation-là. Et ton mari sera à toi, et toi aussi, ta femme sera à toi. Alors, quels sont les genres de problèmes que tu règles, par exemple? C'est vrai que tu as parlé de l'histoire du mariage, du foyer que tu arranges. Au-delà de ça, tu as parlé aussi des maladies à part, donc ces deux domaines-là. Tu as parlé aussi des personnalités. Explique-nous un peu en détail quelques problèmes que tu as pu décamper. Oui, écoutez, mon travail, c'est d'aider les gens. Quand vous me posez la question, qui sont ceux que j'ai pu aider, moi, je ne peux pas compter. Non, pas qui sont ceux que tu as aidés, mais quels sont les problèmes qui sont assez poignants que tu as pu décanter? Vous savez, dans la vie, il y a une seule chose qu'on cherche, c'est le bonheur. Vous voyez, voilà. J'aide plein de personnes à gagner de l'argent. Parce que moi-même, je ne suis pas pauvre. C'est ce que je dis à chaque fois. Voilà. Parce que je ne suis pas pauvre, je détiens le secret de la richesse. Ça, c'est un. J'ai aidé des personnes et je continue d'aider aussi à gagner du boulot. Il y a des gens qui ont des diplômes, qui n'arrivent même pas à travailler. Mais il y a des personnes qui ont visité beaucoup de mystiques, beaucoup de tradis praticiens, beaucoup de sorciers qui n'ont pas eu solution à leurs problèmes. Est-ce que Kone, à son tour, quand il est devant ces cas-là, alors, quelle est la conduite à tenir? Est-ce qu'il arrive à aider ces personnes-là? Mais écoutez, il y a celui qui est allé apprendre auprès de quelqu'un, et il y a celui qui n'a pas appris auprès de quelqu'un mais qui a reçu un don. Nous ne sommes pas les mêmes. Il y a une très grande différence entre celui qui a reçu le don et celui qui est allé prendre auprès de quelqu'un. Quand vous allez apprendre auprès de quelqu'un, il ne va pas vous donner tous les vrais secrets. Mais quand vous recevez un don, c'est donné. C'est donné sans penser à autre chose. Donc voilà la différence. Il y a des gens qui se lèvent aujourd'hui, je suis mystique, je suis tant, qui ne savent même pas ce que c'est un mystique. Vous comprenez? Moi, je vais vous prendre un exemple terre à terre. Peut-être qu'on peut prendre le sable pour faire tant. Mais peut-être qu'il y a autre chose qu'on ajoute, vous ne savez pas. Quand tu prends le sable pour régler tel problème, vous savez, quand on vous dit le sable peut régler tel problème, vous prenez le sable pour régler ce problème-là. Mais ce problème, peut-être en 2 mois, 3 mois, c'est fini, ça revient encore. Or, pourtant, il fallait ajouter autre chose dedans.
C'est ça le secret, c'est ce qu'on appelle secret. Vous comprenez? Pour que le problème soit réglé à jamais. Pour que le problème soit réglé pour toujours. Mais il y a une chose que vous n'avez pas ajoutée. Vous comprenez un peu? C'est comme on vous donne un comprimé, on vous donne une ordonnance, on vous dit allez-y à la pharmacie parce que vous avez telle maladie, achetez tel médicament. Et vous achetez, on vous dit de prendre pendant 10 jours. Et vous prenez, vous commencez à prendre le médicament, en 3 jours, vous vous sentez bien et vous arrêtez de prendre le médicament. Mais soyez sûr que dans 1 mois, 2 mois, la maladie va revenir encore. Donc c'est ça. Vous comprenez? C'est ça la différence entre un vrai mystique et celui qui se fait passer pour mystique. C'est un peu comme ça. Voilà. Aujourd'hui, connaît de tels secrets. Mais vous pensez que je suis le président des mystiques pour rien quand vous me posez la question? Je détiens les vrais secrets. Vous comprenez? Je détiens les vrais secrets, les secrets de la vie. Je détiens les secrets qui se trouvent dans le Coran, les secrets. Moi, je connais la Bible, je connais le Coran. Donc, il y a des questions qu'il ne faut pas poser à un chef d'un groupe de sorciers. Il n'est pas le chef d'un groupe d'un groupe de sorciers pour rien. Connaît a-t-il déjà tué l'homme? Mais je vous parle, c'est un sage qui vous parle. C'est un sage, c'est un réconciliateur qui vous parle. C'est celui qui donne la vie, qui vous parle. Vous comprenez? Donc il n'a pas le droit de tuer. Je n'ai jamais tué, je ne sais même pas comment on fait pour tuer. Mais je sais comment on fait pour aider quelqu'un à gagner de l'argent. Je sais comment on fait pour aider quelqu'un à sortir de la galère. C'est-à-dire, je sais comment on fait pour aider quelqu'un à gagner du travail. Est-ce que tu luttes contre les sorciers? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'en Afrique, on a ce problème-là. Est-ce que toi, en tant que sorcier positif, tu luttes contre les sorciers? Parce que, à la limite, moi, je me dis, un sorcier positif, lorsqu'il est en face d'un sorcier négatif, c'est une guerre. Est-ce que tu luttes contre les sorciers? Oui, je lutte beaucoup contre les sorciers. Mais quand les sorciers, vous voyez, moi, je suis quelqu'un, quand le sorcier me voit venir, il dévie parce qu'on n'a pas la même puissance. Pour moi, il est plus élevé que pour lui. Parce que pour moi, c'est pour faire le bien. Mais je ne les attaque pas. Je n'ai rien à voir avec eux. Mais celui qui essaie de s'en prendre à quelqu'un, c'est celui-là que j'attaque. Mais je ne le cherche pas à le tuer. Je cherche à lui arracher ses pouvoirs pour ne même plus qu'il soit sorcier. Voilà comment je travaille. Aujourd'hui, les personnes que tu as aidées, parce que certainement, on aura l'occasion d'avoir ces témoignages-là, parce que nous, on se dit, c'est vrai qu'on est en train de parler, mais en réalité, il faut avoir ces personnes pour témoigner. Aujourd'hui, quels sont tes rapports avec ces personnes que tu as aidées? Oui, nous sommes toujours en contact. Vous voyez, nous sommes toujours en contact. Et des vrais rapports, vous voyez, quand ils ont souvent des petits problèmes, ils essaient de rentrer en contact avec moi. Je suis toujours à leur disposition. Voilà, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Et grâce à mon travail aussi, il faut dire que je suis l'ami de plein de pasteurs et plein d'imams. D'accord, alors donc, pour dégraisser un peu, moi je vais donc te demander, tu avais été reçu par la première dame en tant que responsable des mystiques. Qui vous a dit ça? Président des mystiques dans nos actualités, surtout dans nos recherches, c'est ce qu'on avait donc vu, on a entendu. Alors, est-ce que c'est la vérité, Koné? Oui, mais pourquoi à chaque fois les journalistes me posent la question sur la rencontre avec la première dame de mon pays? Et oui, mais parce que on avait appris, donc naturellement. Bon, okay, donc, on ne peut pas te poser la question, voilà. Ok, je vais vous faire comprendre quelque chose. Ma rencontre avec la première dame, c'était pas pour autre chose. C'était d'abord pour me dire merci. Voilà, pour tout ce que j'ai fait pour la Côte d'Ivoire et chercher à savoir comment il faut faire pour que la Côte d'Ivoire retrouve vraiment la paix. Vous voyez, c'est une femme d'abord, une femme sage qui est très intelligente. Et je lui dis merci aussi pour tout ce qu'elle fait pour et les enfants de la Côte d'Ivoire, surtout pour nos mamans et de toute l'Afrique. Voilà. Et on a parlé pas mal de choses, on a parlé de bien du pays, c'est-à-dire comment retrouver la paix et pour que les Ivoiriens soient réconciliés. Je dis à la première dame que les Ivoiriens n'ont pas de problème entre eux. C'est les politiques, c'est les politiciens qui ont problème. Je lui ai dit que les Ivoiriens sont d'accord pour être réconciliés. D'abord, ils sont déjà réconciliés, il n'y a pas de problème entre nous. Le peuple n'a pas de problème, c'est ce que j'ai dit à la première dame. Mais que c'est entre eux là-bas, les politiciens, qu'ils essaient de trouver une solution et puis être à la disposition du peuple. Et c'est tout ce que le peuple demande. Et on a eu à parler de certaines choses qui vont faire avancer encore et la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique. Voilà. Pour terminer donc cet entretien qu'on est Nignerie, est-ce que tu es vraiment un mystique?
Je suis un sorcier positif, je suis un mystique, je suis le sage de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, dans l'exercice de ta fonction, les personnes se sont déjà plaintes à toi pour dire non. Est-ce que tu as eu des plaintes? Tu as reçu déjà des plaintes? Des gens qui avaient mis leur confiance en toi et juste après, ils ont été déçus. Est-ce que tu as eu ce cas-là? Explique-nous concrètement. Bon, si j'ai pas encore, personne ne m'a appelé pour me dire voilà, voilà. Mais comme je le disais. Est-ce que toi-même tu as été déçu d'un travail que tu as fait pour quelqu'un? J'ai jamais été déçu d'un travail que j'ai fait pour quelqu'un. Parce que quand je ne connais pas quelque chose, je dis à la personne, je ne connais pas. Vous voyez? Voilà. Donc, personne ne m'a déjà dit, voilà, voilà, ça n'a pas marché. Non. Sauf si la personne ne voulait pas m'approcher encore pour me dire, voilà. Mais je n'ai pas encore reçu un coup de fil pour dire, non, voilà, tu as fait mon travail, ça n'a pas marché. Non. Mais je ne suis pas Dieu. Je dis toujours aux gens, je suis un être humain, mais qui détient les secrets. C'est tout. Kone Nyeri, merci à toi. Voilà. Ton dernier mot? Oui, dis à tout le monde, tous ceux qui ont des problèmes, qui traversent des moments difficiles, qui pensent qu'ils ont tout perdu. Non, ils n'ont rien perdu. Peut-être que c'est le moment qui n'était pas encore arrivé. Mais je pense qu'il est très important de se faire consulter, de rentrer en contact avec un médium et chercher à savoir ce qui se passe vraiment dans notre vie. Parce que les étoiles, tant que notre étoile ne brille pas, on ne peut pas avancer, on ne peut pas évoluer. On va toujours reculer. Donc, il est mieux de chercher à savoir quel genre d'étoile nous, on a. C'est très important. Et puis, travailler notre étoile pour que l'étoile brille. Mais je tenais à dire quelque chose aux gens. Tous ceux qui ont des voitures, qui ont des maisons, des jolies maisons, ce n'est pas pour rien. C'est des secrets. Cherche à savoir pourquoi. Et tu deviendras comme eux aussi. Confie-toi à un médium, un bon médium, un mystique. Il pourra t'aider et tes affaires vont prospérer et tu auras tout ce que tu veux dans ta vie. Merci, mesdames et messieurs, pour cet entretien. Je voudrais vous dire que nous allons nous retrouver encore une fois pour partager de bons moments avec Kone Nyeri. J'espère que vous avez eu des réponses à vos différentes questions. Pour tous ceux qui ont envie vraiment de rentrer en contact avec l'homme, le bas de votre écran, il y a des numéros qui s'affichent et vous pouvez justement regarder et surtout appeler ces contacts. Merci de nous avoir suivis. Je vais dire merci à toute l'équipe d'Ivoire TV Abidjan, Monsieur Stéphane Ndiessan, directeur Ivoire TV Abidjan, Monsieur Herman Capoel et bien sûr Ariel Tapé qui était à la collaboration. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans une autre émission.